s'appelle Ex-Zodiac. Oui, ça fait un peu Chevalier du... Ouais, je trouve aussi. Et EX au début, ça, c'est le côté méchant. C'est l'impression que ça me donne. On va aller jeter un œil dans ce jeu, qui est un shooter 3D, qui vous rappellera forcément... J'ai bouffé le nom. C'est quoi le nom? Aidez-moi. Oh, faites pas l'erreur. Bon, on va être dans Ex-Zodiac. Des pixels granuleux, de la 3D volontairement limitée à cause d'une palette de couleurs qu'on ne veut pas trop exagérer, ne serait-ce pas du 32 d'ailleurs. Je vais faire un petit tour dans les options en attendant de démarrer, faites chauffer les moteurs. Oh la belle rime. Alors je vous ai prévenu, c'est un shooter 3D, je ne sais pas à quoi m'attendre, si ce n'est qu'on va reprendre un peu le principe de Space Harrier, à part que cette fois ça sera pas des sprites sur lesquels on zoome, mais bel et bien des objets en 3D. Non. Quelle puissance processeur. On me permet de choisir mon terrain de jeu. Et je dis, tant mieux. Ça, c'est moi. Ah, mes commandes sont reverse. Ah, option. Oh, un shooter, mais ne serait-il pas en 3D? Et il me laisse choisir mon terrain de jeu. C'est dingue, ça. Je l'ai déjà dit. Regardez-moi ce scénario. Ah, le scénario dans un shmup, c'est... Je me roule dedans, tiens. Ça, c'est web. Et là, je vais dans le bon sens. Alors, piou. Ouais, ok. Et le lock, il s'alloque tout seul. Ok. Moi, c'est... Ah, d'accord. Faut garder appuyé pour faire des locks. Ça veut dire qu'on a un seul bouton. J'aime beaucoup ce concept du shooter. Un seul bouton, c'est pas con. Redescente. Hein. Oh, j'avais pas vu que c'était des méchants, ça. Mais ils avaient l'air trop choupi. Oh, putain. Alors, ça vous rappelle étrangement un titre? Ah, c'est bizarre ça, un titre rétro vieux qui serait sorti chez Philippe, dites-moi. Sega? Non. Atari? Non. Bah, je vois pas, il y a ça comme constructeur, les autres fabriquent des jouets, vous le savez bien. Oh, c'est pas gentil pour Nintendo ça. Moi pendant ce temps, j'improvise, hein. Je ne connais pas du tout le jeu. Je réfléchis avec vous, je me disant, oh, mais quel poète ce jeu qui y est référence. Attends. Oh, il peut passer loin celui-là. Ce jeu qui est en référence et c'est Space Harrier bien sûr. Non? Ah bah merde, alors on aurait menti. Ok. Dites-moi, j'ai passé dedans, c'est plus joli. Ah, j'aurais dû lire le manuel, je ne sais pas, c'est un manuel fourni. Avec cette pré-version qui rigolote quand même, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui sur un PC qui fait du RTX. Vous pouvez avoir une émulation quasi parfaite de Nintendo. Eh oui, sachez-le. Attention, le Reaper, il était vraiment méchamment placé. À croire que c'était un poil fait exprès, les gars. Je passe pas, là. Non, moi, je me dis carrément. Je fais un. Reviens, petit gars. Non. Ça s'appelle bouffer le paillasson avec les dents. Non, n'y voyez pas des trucs tendancieux, c'est que dans votre tête, ça, les gars. Moi, je suis le sang, vous savez bien. Ah, l'air, oui, on a toujours besoin de petits volages. Ah, j'avais une super bombe, personne m'a rien dit. On me ment, on me spolie. On essaie de me voler ma bicyclette quand je vais au boulot pour essayer des cheveux. Attends, Reaper, non, Reaper pas, parce que... Bah non, malade. On va passer là, discretos, des fois que ça passe bien. Allez. On parlait, j'ai fait exprès. Ah, je le quoi, moi, là-dedans, les gars. Oh putain, ça va marcher. Oh, It's Passed. Ce jeu est trépidant, mine de rien. Alors, si on fait... Si on passe outre ça... Oh, le fumier. Je me le suis pris sur la... Google. Si on passe outre sa lourde attitude qui vont choquer certains, mais qui moi me plaît bien, hein. Elle est vraiment bien fichue. C'est super dur, je vous parler en même temps, je vous garantis les gars. Je vous défie de faire des commentaires. Et tenir le crachoir en même temps. À moi. Oh là. J'ai pas le temps de tout lire, bonhomme, tu sais. Et je dois commenter en même temps, c'est un drame. Tous ces effets du turfu.
Et je disais donc, oui, avoir ça sur une machine qui est quand même capable de faire du ray tracing aujourd'hui, moi je dis c'est la classe. Et je vais d'ailleurs en profiter pour défoncer ce scorpion. Et lui expliquer que non, je ne suis pas d'accord avec l'éjecté de pince comme ça dans la gueule, ça ne se fait pas, j'ai un peu de pique, il est fragile, c'est du verre. Il faudrait qu'il se tienne un petit peu mieux à table. Ah non. Non, ça va pas le faire, monsieur. Alors les logs, c'est chaud. Papa. Lui, c'est comme dans Space Harrier, il faut éviter les trucs qui foncent. À part que ce ne sont pas les gros sprites dont on peut repérer l'éloignement par une exagération des carrés qui les composent. Mais bien fait pour ma gueule, ça. Non. Never again. I'm not this person, man. Oui, le Jedi que vous cherchez n'est pas là. Il est parti à la plage. Oh mon vaisseau est en piteux état. On essaie de changer de... souffle. Oui, non, silence. Ah, je suis mort, là, les gars. Je suis mort, je vous dis. Oh, il me cherche, le mec. J'arrive pas à vous tenir le crachoir, effectivement, en même temps que je joue, puisqu'il demande un focus assez intense, hein, mine de rien. Ratata. N'oublie pas de bouger, il tire aussi. Mais n'oublie pas tes éoliennes. Oh, que je ne sais pas, ces éoliennes. Mais qu'est-ce qu'elle m'aime pas non plus d'ailleurs. On passe dessous. On sait pas encore, on sait pas trop, on traîne comme des couillons. Oh, il a changé de pattern, c'est bon. Ah non, c'est bien. Voilà, on change de patate, hein, un petit peu l'autre. Allez, j'ai oublié, je suis désolé, j'ai un mot d'excuse. Dégage. Oh putain. Je me suis pris une pince sur la tronche. Alors on peut accélérer de ce que j'ai compris. Il y a une touche qui me fait légèrement accélérer. Ouais, c'est pas pour la voix, je sais. Il a une Shazam, je crois. Oui, c'est pourquoi il fait ses coups croisés, justement. Pour pouvoir lui en mettre une discrète sur la tronche. Pendant qu'il est en train de se réfléchir comment il va procéder pour me lâcher menu. Non. T'es pas dans rêve, rappelle-toi. T'es pas dans rêve, c'est pas la peine de le loquer pendant des plombes. Et je lui ai loqué sa tête pendant des heures. Pourquoi je dis n'importe quoi? Parce que je n'ai pas fini encore à cette heure-là. Avec la bonne arrivée. Ah, purée, si je me prends ça, ça va pas le faire. Quoi? Il a plus de queue, il a plus que ça. Il a plus qu'un bras. On va le faire durer pour se foutre dessus. Pour se foutre de lui. Hein. Ah bah, il m'a fait durer, moi aussi. Encore. Il doit lui rester deux coups avant qu'il crève. Il y a un solo, un petit solo prévu pour la fin. Ça fait 2 heures qu'on y est sur ce dossier. Moi aussi j'en ai marre. Il va faire un super tir de la mort, je le sens. Vous savez le super tir qu'on se garde pour la fin quand on sait qu'il y a de la serre trop fort. Genre monsieur K, quoi. Si je me fais toucher une fois, c'est raid. Et vous savez ce qu'il est raid. Ouais, ben voilà. Et j'ai pas envie de rejoindre. Non, il faut bouger tout le temps, là. Le log est à faire avec parcimonie. Et cette fameuse parcimonie, une chanteuse très connue des années 70. Et je raconte absolument n'importe quoi, parce que je voudrais pas le fail sur le dernier tir, ça me foutrait les boules. Vous sentez la tension? Bon, je vais pourrir la gueule, là, les gars. Ah, la puissance de Monsieur K face à la méchanceté de Ex-Zodiac. Quelle belle démonstration de bataille dans le ciel. En prenant pour base Space Harrier, on est vraiment dans le même mood et c'est à la fois étrange, rigolo à parcourir parce que ça fonctionne très bien. Et il y a la souplesse des jeux modernes dedans. Oui, il est moins rigide. Je vous garantis que si vous relancez un Space Harrier aujourd'hui, vous allez un peu pleurer du sang au passer le troisième niveau parce que non seulement c'est très pixelisé, mais en plus, au niveau jouabilité, on n'est pas à ce niveau-là. C'est des punitions des vieux jeux d'arcade, oui. C'est fait pour mettre des caisses, hein. Faut pas se leurrer. J'espère qu'il pourra redémarrer là si on a 70 pour choisir ce niveau. Enfin, si on va faire plusieurs fois pour rester un petit peu derrière. Alors, je rappelle que le jeu n'est pas encore sorti, c'est toujours un preview.
qu'il est prévu, je crois, pour tout début 2022, si je ne dis pas d'énormité. Parce que là, fin 2021, c'est un peu chaud-chaud, hein. Je ne sais pas combien de jours, je pense plus durer ce truc en plus. C'est-à-dire quelques semaines après l'avoir enregistré, yo-yo. Et j'ai un frein et un accélérateur. Putain, je peux mettre un coup de turbo, allez. Je suis Maverick. Arrête tes conneries, Maverick. Joue. La punition fut négative. Donc en fait, on a l'équivalent de manette des gaz sur la manette, qui est très mal mappée par défaut, mais me. Toujours le même technique qui sauve. Hein ? C'est vrai, lire, ouais, je sais. Ouvrez-moi, c'est moi. Les gars, déconnez pas, je suis armé. J'ai des polygones au propre. Ils ont rien fait, les mecs, sans tape. Ça aurait été, il y a des polygones, alors, mais vite, si j'ai honte de m'amuser, prendre du plaisir sur le jeu, mais totalement. Et du coup, je vais pas vous le recommander, parce que je vais me le garder pour moi tout seul. Mais sérieux, ça fonctionne horriblement bien. Je sais, je devrais avoir honte. Non, il n'y a pas la webcam, mais vous sentez qu'il y a un sourire de plaisir. Un sourire idiot, un sourire crétin. Bref, le meilleur sourire du chemin peu. Et voilà, je peux pas dire mieux. Ça te pompe ça? Ouais, ça doit pomper, je pense. Allez, il faut certainement tirer devant le jeu. Hein. Alors, 4 locks, rappelle-toi, t'as 4 locks, t'as 4 locks, donc ça sert à rien. Gardez appuyé pendant des plombs. Lui, il va me chercher, je le sens. Oh, bah, c'est rigolo ce tireur. C'est très rigolo. Je crois qu'on va bientôt y aller. Y aller quoi? Manger le plancher. Ça devrait plus trop tarder. Aïe. Ouf. Oh douleur. Ah. Monsieur K, tu n'auras pas le droit de continuer. Oh, encore un petit bout. Allez, c'est tout faire par la maison, j'ai pas mal. Alors il y en a, il vaut mieux les shooter comme ça que essayer de les loquer, parce qu'ils bougent beaucoup trop, puis le lock n'arrive pas à les prendre. Voilà, très subtilement. Non, elle est bon. C'est une sensation. T'es pas dans le reste. Relâche. Oui, je suis obligé de me le rappeler à haute voix, parce que j'ai mes réflexes de reste. Et je suis un grand consommateur de reste. Donc forcément, il y a des restes, et je crois que je suis dedans. Souvent, ça m'arrive. Ouais. La. Non. Et oh, ça va pas la tête. Ils sont fous. Non. On m'avait dit, allez, je me... Oh la vache, je suis en train de me faire démolir. Ah, vous vouliez du shoot 3D, vous vouliez du rétro, vous vouliez du... Tu bien fait quoi? Exodiac. Je vais bientôt te déclarer ma flamme si tu continues. Sauf que ce boss, je le sens pas du tout. Mais bon, ça c'est un point de détail, c'est pas grave. Bonjour. Je le sens pas rien. Allez go. Direct, il te fonce dessus, le truc, il va arriver par derrière. J'ai mon t-shirt? Non. Ah merde, j'aurais dû le mettre. Le fameux t-shirt PDG. Alors là, on va essayer de rester en bas, vu que ça arrive dessus les menaces. C'est que là, je vais être comme je vais souffrir. Camos. Vas-y, pilez-le où. Il aime pas, ça sent. Bien, ça c'est bon. Lui toucher les missiles avant qu'il ne parte, c'est une bonne idée. Très belle initiative de l'amiral. Ah, papap, ça a failli rater, il fait mieux de se taire plutôt que de parler. Hop. T'as failli te prendre dans la tête ou j'ai rêvé? Là, il aurait fallu faire quelque chose d'intelligent avant, là. C'est trop tard, faut bouger. Rappelle-toi. Ça va bien se passer. Comment ça, je vous aurais qu'il a tué dans le mille. C'est normal, c'est un peu fait exprès. Pas trop y passe, là.
Oh, il a failli le mot. Qu'est-ce qu'on flingue maintenant? C'est pas fini apparemment. Oui, il y a le squelette qui était là pour m'ennuyer. Style. Je crois qu'il y a une pensée dessus, je sais pas quand, mais il va le faire. Le rayon de la mort. Le rayon de la mort. Je crois qu'il viendra sans doute. Il va venir par derrière, probablement. C'est étrange qu'il n'ait pas encore fait ce coup. Attends. Parce qu'il va faire son rayon de la mort. On va tirer bien dedans. Et t'as intérêt à bouger après. Bouge. Now! C'est tué. Il est mort. Il le sait pas, mais il est mort. Gros naïf. Cette victoire méritée. Mes tuyères prêtes à exploser. J'ai quand même gardé la tête haute jusqu'à ce deuxième boss. Vous voulez en voir davantage? Alors je sais pas combien de niveaux total il va y avoir dans ce jeu. Je l'invite à en faire un maximum. Parce que c'est bien foutu. Faut admettre. Ça a l'air, alors quand on est spectateur, je pense que ça a l'air complètement idiot. Mais je vous garantis, mettez le pad dedans, vous allez voir. Vous allez vite comprendre ce que j'exprime sur le ressenti. Ce truc est assez mortel. Juste deux univers, il est très certain qu'il y en aura d'autres. Et ce sera pas mal chouette d'y plonger dedans si ce soft sort au final à petit prix. Voilà. Ex-Zodiac, bye bye. Playlist, bouton d'abonnement. Ouais, je m'en vais réserver un nouveau encore du jeu en douce.